Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que j'ai fait au tout début de ma carrière de journaliste réalisateur. En effet, de très graves violences se produisaient autour et dans les stades de foot. Stade du Heysel, 1985. Plus récemment, à Amsterdam, en mars 1987, les hooligans frappent à nouveau. Le match est interrompu après 7 minutes de jeu. On ramasse 25 blessés. Ici, au Parc des Princes, les supporters se déchaînent et les hooligans français s'installent sur les gradins. Autrefois, les policiers britanniques étaient à cheval. Ils attrapaient les hooligans par les cheveux. Pour leur échapper, ces voyous se sont rasés la tête, d'où le nom qu'ils se sont donné, skinhead, en français, crâne rasé. C'est ainsi que j'ai contacté une bande de voyous et je leur ai proposé de les suivre. Ils ont accepté avec plaisir, avec une joie non dissimulée. Alors, avec Alain d'Anvers, on a décidé de les présenter tels qu'ils étaient, c'est-à-dire des petites frappes, des petits voyous, racistes et violents, mais sans étiquette politique qu'ils auraient aimé avoir. On ne sait pas s'ils deviendront d'honnêtes pères de famille. Pour l'instant, ils vivent dans la haine, dans la violence, la bière, le racisme, et leur idole, c'est Hitler. La bande que vous allez voir comprend une quarantaine de membres, moins que leurs homologues anglais. Mais comme eux, ils sont les rois de la provocation et des bagarres de gradins dans les stades. Je les ai suivis aux abords des catacombes parisiennes. Mais ce petit groupe n'a pas que des activités sportives. Hors des stades, ils s'entraînent, disent-ils, à la guérilla urbaine dans ce tunnel désaffecté de la petite ceinture de Paris. Comme vous pouvez le voir, ils n'ont vraiment pas la passion d'orthographe. Leur musique, ils l'appellent la oi. Ce sont les Anglais qui l'ont pratiquée en premier, mais depuis près de 3 ans, Paris a son groupe. Ils répètent dans un studio de banlieue. Alors, rencontre avec le chanteur de la bande qui fut immobilisé par un coup de fusil. Nous, on dit oui, on est bête et méchant, et en plus, on est content, quoi, voilà. Sniff, le chanteur, s'est retrouvé dans cette chaise roulante à la suite d'une bagarre. Une balle, dans la colonne vertébrale, l'a paralysé à vie. On n'a aucun rapport avec les punks c'est des voyous, nous pas, c'est des drogués, c'est des connards, musicalement c'est nul en plus, voilà quoi. Nous on n'a aucun rapport avec les punks. Quoi. Direction le quartier latin, où ils vont essayer de provoquer des bagarres. Ils disent avoir leur territoire. Ici, à Saint-Michel, ils traînent toute la nuit cherchant la bagarre. Après le guitariste africain, ils s'en prennent à un skin rival à l'entrée d'une brasserie. Ils se sont donné des surnoms, Badskin, Destroy, Sniff ou Cronenbourg. Alors, dans leur bande, à ma grande stupéfaction, des femmes. Ah, t'as pour tourner avec nous, faut bien que ça t'en change. Françoise fait partie de la bande, c'est une des plus jeunes. Elle aussi se bagarre. pratiquement apportiqué, donc j'ai plein de gradiers. Bon, les bacs, c'est plutôt négatif. J'aime bien, ça porte un look, un style. C'est le mal, quoi, déjà. Tête de mort, bon, déjà pour la baston, c'est utile. Voilà. C'est considéré comme un point américain par les flics. Bah là, je suis au chômage. C'est mal parti. Bon, j'ai arrêté l'école à 15 ans. Par exemple, on proposerait quelque chose, bon, pas trop abusé. C'est question de faire genre boulevard Saint-Denis ou faire la pute, quoi, directement. Je dirais non. Bon, si c'est un boulot qu'on me propose dans un magasin, je dirais pas non. Bon, là, je suis chez mes parents, donc mes parents, bon, ils sont contents de me voir, ils sont contents de me voir le soir de temps en temps quand même. Mes parents, plutôt, ils voient ça, ils aiment pas trop, quoi. Pas du tout, même. Moi, personnellement, il y a quelqu'un qui me veut du mal, j'en ai rien à foutre, c'est pas un problème. Plus t'es méchant, moins on t'approche, quoi. Pour la plupart, les skins sont au chômage. Quelques-uns travaillent cependant dans le bâtiment ou bien dans la mécanique. Ces nouveaux blousons noirs tentent de justifier leur violence par un discours qu'ils veulent politique. Il y a les copains, ouais, ils sont nazis, bon, moi, je vais faire pareil. Ça fait bien, ça fait style, ça fait nazi, ça fait méchant, ça fait ce qu'on veut, quoi. Ça... J'ai demandé à un sociologue ce qu'il pensait de ces voyous et s'il pensait, lui, qu'ils étaient irrécupérables. Même si leur apparence est peut-être nouvelle, la violence de ce petit groupe, elle, n'est pas un phénomène nouveau. Comment analysez-vous cette forme de délinquance? Cette forme-là, dans la manière dont on vous l'est montrée, elle existe, puisque vous avez réussi à les filmer. Mais ils sont ultra minoritaires. Alors, pourquoi ça, ça existe? Pourquoi des skinheads violents, néo-nazis? Ben, peut-être qu'ils reprennent sous une forme, elle aussi caricaturale, des éléments qui sont véhiculés dans leur environnement social. Les jeunes qui forment ces bandes, je dirais, New Look, Nouvelle Manière, eux, ils sont pas à l'école, ils sont pas au travail, ils sont pas dans les équipements socioculturels, ou quand ils y sont, ils sont mal accueillis, ou enfin, ils sont pas en adéquation avec le mode de fonctionnement de ces équipements, donc, ils sont nulle part. Est-ce que ce groupe attend quelque chose à la société? Sous la forme dont on a pu le voir, ma réponse c'est non. Ceci dit, il faudrait peut-être aller voir de plus près, non pas le groupe, et non pas le groupe dans son spectacle, ou dans le spectacle qu'il donne, mais d'aller voir les individus et interroger les individus sur leur histoire et sur leur perspective. Il y a un exemple dans ce film, c'est celui de cette jeune fille. La phase skinhead, un petit peu forcée que l'on voit dans le film, eh bien, n'est jamais qu'un moment, qu'une étape. Ceci dit, ça peut être une étape qui obère ses perspectives d'avenir et qui la fait tomber dans, éventuellement, qui pourrait la faire tomber dans la prostitution, comme ses congénères masculins tombent dans la délinquance. Bon, eh bien, écoutez, à bientôt sur ma chaîne, et puis le pouce, au revoir.